Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Celle-ci, qui nous parle de quoi? On rencontre un mur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment te sens-tu face au mur? On rencontre une limite face au mur. Je peux attendre, rester là. Je peux choisir d'attendre. Que le mur se déplace. Je peux aussi choisir de me retourner et de changer de direction, de route, de chemin. Je peux me frayer un nouveau chemin. Je peux sortir de l'attente. Continuons. Je vais y aller maintenant avec la carte mot. Donc, je rencontre une limite. Je ne peux plus continuer d'aller, d'avancer en cette direction. Il y a un blocage. Par là, la même chose, à gauche, à droite, je rencontre un mur de béton. Bon. Continuons. Intimider. Que veut-on me dire? C'est une femme qui est ici. Une femme qui rencontre une limite, qui a peur. Donc là, est-ce qu'elle se fait assez confiance pour dépasser la limite, pour dépasser l'obstacle? Ici, c'est clair là, que je ne peux plus avancer en cette direction. Faudrait démolir. Bon. Donc, il y a une situation qui arrive à sa fin. Mais il y a une crainte, il y a une peur. Il y a un manque de confiance, on dirait, là, ressenti. Ça m'intimide. Donc, ça dépend, hein? Ça dépend de la façon qu'on veut percevoir cette situation, parce que je pourrais me dire, bien, écoute, j'ai un nouveau défi à relever. Lequel? Un nouveau défi à relever. Je fais face à un mur, je fais face à une limite, je ne peux plus continuer d'avancer en une certaine direction. Il y a une certaine peur. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me mettre à défi, me fixer un objectif, me frayer un nouveau chemin. Je peux aussi rester là et déprimer. Ça dépend de mes attentes. Je peux attendre qu'il y ait un changement qui se produisent de l'extérieur, comme je peux décider moi-même d'opérer un changement dans ma vie. Je peux attendre que l'extérieur se transforme, comme je peux. Et l'extérieur, on pourrait me présenter le fait d'attendre qu'une personne change,
Donc, je peux rester là à attendre que cette personne change pour qu'elle puisse correspondre à mes attentes. Je peux continuer de me sentir impuissante. Est-ce que j'ai du pouvoir sur cette situation? Est-ce que je fais tout ce qui est en mon pouvoir? Est-ce que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir en cette situation? Donc, je peux attendre que l'extérieur se transforme, comme je peux aussi prendre la décision de me transformer, d'opérer un changement dans ma vie. Je peux décider de me frayer un nouveau chemin. Ça me demande de faire preuve de courage, de me faire confiance et d'oser. On dirait quand je regarde les cartes que je ne veux pas qu'arrive la fin. Pourtant, je la vois à la fin. Mais on dirait que je ressens une résistance. Donnez-moi une minute. Je vais choisir une autre carte de mon jeu haut ici. Je ne veux pas que quelque chose se termine. Rencontrer un mur. Je vais déposer une carte sur femme. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Sur femme maintenant. On nous présente le repas servi. Que manges-tu aujourd'hui? Et on a le mot dette qui est en dessous de femme. Une femme endettée, une femme qui doit rembourser quelque chose, qui a peur qu'une fin arrive. On dirait que je rencontre une femme qui vit de l'insécurité. C'est en lien avec l'aspect financier. Bon, donnez-moi un instant. Menacée, dette menacée. Début, stop. Eh bien, le début et la fin. Le début de la fin. Bon. Femme, dette menacée, début, stop. Continuons. Longue distance. Donc, il y a soit qu'on veut me dire, attendez, longue distance, soit qu'on me présente une personne qui est loin de vous, à distance, en kilomètres. On peut me parler aussi d'une distance qui s'est installée entre deux personnes. Une distance émotionnelle, physique, on a de moins en moins de contact. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Les
quelque chose qui arrive à sa fin. Là. On ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. Il y a une peur. Ici, je ressens l'endettement. On se sent menacé, on a peur, le début de la fin. Donnez-moi un instant. Les. OK. Bon, ici, on nous parle de guérison du cœur, se libérer d'une relation qui peut être malsaine pour soi. On peut me parler aussi de présence d'addiction. On peut fuir ce que l'on vit à l'intérieur de soi, notre vécu, notre réalité à travers toutes sortes de fuites. On peut fuir dans l'alcool, dans la prise de médicaments, dans l'abus. C'est dans l'abus. On peut fuir dans... On peut consommer stupéfiants. On peut fuir dans le sexe. Il y a plusieurs façons de fuir, dans les jeux d'argent. On peut fuir dans les consultations avec des médiums à répétition parce qu'on vit de l'insécurité et on veut savoir ce qui s'en vient pour nous. On dépense, on fuit. Il y a une situation qui arrive à sa fin et ça nous fait peur. Donc là, ici, on nous parle de quoi se libérer d'une relation qui peut être malsaine ou d'une situation qui peut être malsaine pour soi. On le sait que c'est rendu, on le sait que cette situation arrive à sa fin, on le sait que cette relation ne nous convient plus, qu'on ne se respecte pas en cette relation, on le sait qu'il y a une distance qui s'est installée entre nous. Ici, c'est de l'insécurité financière. Bon, ici, on nous présente le voilier qui nous parle de mouvement. Il y a un mouvement. Est-ce qu'il y a un déblocage? C'est une carte qui nous parle de progression. Continuons, on verra bien. Sur longue distance, on s'éloigne d'une situation, d'une personne. Continuons, qu'est-ce qu'on veut me dire sur distance? Oh, le serpent. Donc, le serpent représente la malveillance, une personne qui peut être rusée, une personne qui peut manipuler, une personne qui peut être en rivalité avec toi, une personne qui peut être en compétition et qui, pour arriver à ses fins, peut utiliser des méthodes douteuses. S'éloigner du serpent. On peut être dans une relation aussi, le serpent représente une personne qui peut en fait te manquer de respect. Elle est avec toi et en fait c'est comme si tu n'étais que sa chose. Ce n'est pas toi. Si ce n'est pas toi, ça va être une autre, c'est tout. On dirait une personne qui est toujours à la chasse. Donc, qui peut être avec toi, mais qui continue de chasser. Une personne qui n'est pas réellement engagée dans la relation avec toi. Le serpent. Donc, il y a une personne en cette guidance qui sait que cette situation, que cette relation arrive à sa fin. On veut se libérer d'une relation qui est rendue malsaine pour soi. On ne se respecte plus en cette relation. On veut s'éloigner de toute cette magouille, ruse,
d'une personne qui peut être mal intentionnée. C'est quand même la carte qui représente l'ennemi, l'adversaire, le serpent. Prendre une distance, s'éloigner d'eux. Donc, il y a une personne qui veut changer. Ici, c'est une zone d'endettement. Et c'est une femme qui se sent menacée. Il y a le voilier qui nous parle de mouvement. Il est temps d'avancer. Que veux-tu au juste? Recevoir ce dont tu as besoin. C'est peut-être une invitation ici à t'occuper de tes besoins. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? C'est comme une invitation à se responsabiliser. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider dans ta situation si tu es endetté? Peut-être que tu peux consulter une personne qui peut te guider, te conseiller. Surmenacer, vous voulez me dire quoi pour cette femme? On dirait qu'elle se sent seule. Pas aujourd'hui. Colère dans l'air. Une personne se sent blessée. Bon. Colère dans l'air. Tiens-toi loin. Le début de la fin. Début, stop, c'est le début de la fin. Début de la fin d'une situation. On en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Ah, c'est lourd. Oui, c'est lourd. Dette. Je vais choisir une carte image pour dette. Bon, ici, on nous présente quoi? Une porte, ouvrir une porte. Oser aller voir ce qu'il y a derrière la porte. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Une porte est ouverte. Dette. Ouvrir la porte à la dette. Peur d'être trahi. Coup de poignard dans le dos. On a ouvert la porte à qui, à quoi pour payer la dette? Et on a peur d'être trahi. Il n'y a plus rien dans la boîte. Peur des policiers, peur de l'autorité, peur d'assumer. Il y a quelqu'un ici qui a pris de l'argent pour une histoire de sexe. Qui a trahi son autre. Donc, il y a endettement. On a ouvert la porte à qui, à quoi? Au serpent. Donc ici, coup de poignard dans le dos, on dirait que c'est une personne qui s'est mis les pieds dans quoi? Ici, on a vidé le coffre, on a vidé la boîte. Si on a peur de la carte de l'autorité, ici, on peut me présenter une personne qui porte l'uniforme. Attendez une minute. Peur d'être trahi. Il y a une histoire ici d'endettement, une histoire de sexe masculin. On a trahi et on a peur d'être trahi. On a ouvert la porte à qui, à quoi, au serpent. Il y avait une dette à rembourser. Une personne qui porte l'uniforme, ici on pourrait me présenter la peur de rencontrer figure d'autorité, de loi,
C'est un homme qui a peur. Comme on peut me présenter une personne qui porte l'uniforme, qui a trahi son autre et qui a peur d'être trahi de nouveau. On a vidé quoi? Ici, on dirait que ça me fait penser au coffre-fort. On a pris ce qui était, étant donné qu'on parle de dette, on a pris nos économies pour une histoire de quoi? Pour combler les manques. C'est en lien avec la sexualité. Ici. Et une femme se sent seule. Je vois son repas. Elle est seule. Donc, il y a beaucoup de colère en la relation. Être sous la menace. Menacé. On doit rembourser la dette. Il y a quelque chose ici, là. Oh, je ne sais pas dans quoi on s'est mis les pieds. Ici, on dirait qu'on est sur les freins. On dirait qu'on a peur de la faim. On le sait, là, qu'on est face à un mur. C'est comme si on était rendu à prendre une décision. Bien là, ce que je vois en cette situation, je pense qu'il y a une femme ici qui va bouger, se mettre en action. C'est le début de la fin d'une histoire. On s'éloigne de la carte du serpent. On a ouvert la porte à on dirait qu'il y a un cercle vicieux en ces cartes. Un cercle vicieux. Pour payer une dette, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est allié au serpent. Mais là, on dirait qu'on est coincé, là. Peur d'être trahi. Peur de l'autorité. De la police. Des lois. Ici, il y a beaucoup de colère, se sent blessé. Conversation menaçante. Probablement qu'il y a agression ici. Menace, agression verbale. La peur. Ici, on me parle d'addiction. On peut me parler d'addiction au sexe. Donc, on a vidé le coffre. On s'est endetté. Donc, en cette guidance, je rencontre une personne qui sait que cette situation, que cette relation arrive à sa fin. Mais il y a quand même des peurs à l'intérieur d'elle, un manque de confiance. Ça demande beaucoup de courage, de faire preuve de courage à cette personne pour mettre fin à une situation ici. Il y a éloignement. On veut s'éloigner de la carte du serpent, prendre une distance, s'éloigner. Il y a quelque chose qui est malsain. Il y a de la malveillance. Il y a beaucoup de colère. Et ici, c'est la carte qui me parle de se libérer d'une situation
toxique, relation toxique, présence d'addiction. Donc, il y a quelqu'un ici et on a vu endettement. On a ouvert la porte à qui, à quoi. C'est un cercle vicieux ici. On est coincé dans quelque chose. Mais ce que je perçois, c'est qu'il y a une personne qui va se libérer et qui va reprendre son mouvement. Ça lui demande beaucoup de courage pour mettre fin à cette situation, à cette relation, à ce partenariat malsain. Donc, il y a quelqu'un ici qui a peur d'être trahi. Il y a eu trahison et on a peur d'être trahi de nouveau. C'est ce que je vois. Peur de la loi, peur de la carte du policier. C'est ce que je vois. La pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Attendez un peu. Ici, c'est la femme, on dirait. On dirait que c'est la femme qui va bouger, qui va s'occuper de ses besoins, qui va mettre fin à une relation malsaine, qui va s'éloigner de la carte du serpent. On est avec une personne qui ne mérite pas notre confiance. C'est pas compliqué, là. Il y a une personne ici qui a pris les économies pour... Il y a une personne qui a trahi notre confiance. On me présente une relation, là. On a vidé le coffre. On a pris les économies pour combler les manques. Addiction à la sexualité ici. Il y a eu endettement. Et là, pour payer les dettes, on fait quoi? On fait affaire avec le serpent. Des méthodes douteuses de récupérer de l'argent. On est pris dans un cercle vicieux. Il y a une femme ici qui sait que cette situation arrive à sa fin. Elle va se libérer de cette relation malsaine. Il y a beaucoup de colère. En même temps, cette colère lui permet justement de passer à l'action. Ça la pousse à opérer un changement. Ça lui demande de faire preuve de courage. Elle a ce courage. Allons-y pour se sortir de cette situation toxique. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Il y a une personne ici qui va se libérer d'une relation malsaine. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. Merci pour votre présence. À plus tard.